Bienvenue à la Berchère. Donc aujourd'hui on est dehors. Je vous fais un petit tour d'horizon, regardez voir. Voilà, on a la neige, tout ça. C'est que du bonheur. Hello guys. Yeah, we're outside at la Berchère. It's snowing. And today we're going to talk about this knife. Aujourd'hui on va parler de ce petit couteau que j'ai fait en stock removal. So this knife, I've done it in stock removal. Okay, it's not forged. Donc je ne l'ai pas forgé, hein, c'est un petit test pour une trempe sélective à l'eau. So it's a water quench, it's a selective water quench, just done with the torch. Donc c'est une trempe sélective que j'ai fait au chalumeau, par chauffe sélective. Donc on va faire un petit test, deux, trois petits tests de coupe. Donc pour ça, alors j'ai du carton, hein. I've got some this, I don't know what you call it in English. Donc il y a ça. Il y a du papier, de some paper, et on va prendre this, et on va prendre ça. Alors ça c'est mon bois de chauffage, c'est du hêtre, du fire. So this one is, I think it's birch wood, it's, you know this, yeah, it's birch wood, I think it's birch wood, birch wood, voilà. Donc, so first, let's see. If it's cutting right, my God. Yep, it's cutting. Oui, ça coupe. Donc là, on s'amuse bien. Hein. Voilà. Donc ça, c'est fait. Donc, maintenant, le carton. Hop là. On pose. Voilà. On continue. Oups. Voilà. 3. 4. 5. 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, maintenant, birch wood. So, hop là, jeez. So, it's cutting not so bad. Alors, ça coupe pas trop mal. Alors, c'est vrai que le hêtre. Et assez costaud, je vais avoir du. Là, j'ai une planche en pin. Voilà. Alors, un endroit où il n'y a pas de nœud. Here is some pine wood. Voilà. Ça, c'est fait. Et maintenant, on retourne sur le papier. Oh, alors, on va essayer de faire des petits virages. Oh, pas super là. Hop, un autre petit morceau de papier pour continuer, voilà. Voilà, ça coupe. Et maintenant, on va voir si ça rase. On va voir si ça rase. Voilà. Alors, c'est un. C'est un C120. It's a 120% carbon steel. Trempe à l'eau, water quench. Et c'est une émouture creuse. It's an old grind. So, it was just a test. Donc, c'était juste un test de manière à essayer de trouver bah, justement le bon traitement thermique pour cet acier-là, donc le C120. Bah, je sais pas, vous avez vu. Ça coupe pas mal, on fait 10 coupes dans le carton. The cutting work is pretty good. I got 10 blows in some carton box. You see, got very good. Two pieces in the same time. Donc on a coupé deux parties en même temps. Voilà, et on rentre dedans de nouveau. Ça coupe super bien. Ça coupe le papier, ça coupe tout, ça coupe les poils, ça rase. Donc voilà. C'est une petite démonstration de ce petit Bowie. Il n'est pas encore terminé. Il va y avoir des petites incrustations là. Ça va être un 2 cents knife. It would be to some 1 cent there and 1 American cent there. So it's going to be a 2 cent knife. So guys. There. Wow. it's freaking good. It's freaking awesome. I really like it. Donc ouais, je l'aime beaucoup.
ça envoie du lourd, c'est costaud, et puis ben voilà quoi, donc celui-là je vais le garder, pour moi comme tous les couteaux que je fais en test. Mes amis, merci d'avoir suivi la Berchère. Bon, on va y avoir quelques petites nouvelles news dans pas longtemps. Je vous conseille donc de rester à l'écoute. Bah non, c'est tout. Voilà. Bon, les copains. Allez, soyez forts. Hi, guys. So, bye, guys. Sorry. Bye, guys. Stay strong, stay safe. And keep following the Berchère. Merci, les gars. Continuez à suivre la Berchère.